second, but it's quite dry, so it's no point running further because the feeling, you know, the rear guy. Salut à tous, on se retrouve pour la cinquième manche du championnat 1999 de Formule 1. Ici donc, alors j'espère que c'est bon. Donc en Catalogne, donc le Grand Prix d'Espagne. Alors après le Grand Prix Monaco, bon, finalement on n'a rien pu faire puisqu'on a abandonné, même si on a fini la course, mais bon, 0 pointé on va dire. On va voir comme qualification cette fois-ci, bah, il semble qu'il pleuve, donc on va régler la voiture. Au niveau des pneus, on va quand même mettre des pneus de pluie, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Voilà, on va faire qualification. Mais apparemment ça va au nuageux après. Alors j'ai envie de tenter quand même quelque chose. On va tenter quand même de prendre des pneus de pluie. Pneus secs, ouais, pardon. Des pneus secs. On va faire qualification. Les grandes courbes et le revêtement très abrasif du circuit de Catalunya mettent les pneumatiques des voitures à rude épreuve. Mais ce circuit est l'un des préférés de nombreux pilotes. Voilà, on va partir dans les derniers. Ah, il fait noir. Ouais, c'est bon, 14 minutes. On va faire rejoindre la piste. Sauf qu'on a rejoint la piste avec les mauvais pneus. Donc, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave, on va faire un tour. Et on essaiera de toute manière après. Alors on a eu des problèmes à Monaco pour le crash, on a eu des problèmes à Imola pour le crash aussi, j'espère qu'il n'y aura pas de problème ici. Écoutez, s'il y a des problèmes ici, je crois que c'est terminé. Alors... Donc là on est en pneu pluie, hein, donc logiquement on devrait pas aller aussi vite que prévu, mais bon. On va découvrir ce circuit de Catalogne. Un peu dénivelé, hein. On plonge après le premier secteur, puis on remonte. Après on va arriver dans la longue ligne droite, enfin la deuxième ligne droite du circuit. Si. Et toujours le Grand Prix à l'ancienne, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la première chicane, enfin la chicane de fin du circuit. Ah bah finalement il repleut. Vous avez commencé à s'entaler, n'empêche. À peine il y a une goutte qui est tombée, ça y est, le circuit est mouillé. Heureusement j'ai les pneus pluie. Allez, on va pouvoir faire un tour. Pour l'instant il n'y a personne en piste. Hein. Alors comme vous pouvez le voir et comme je l'ai expliqué dans la vidéo du jeu, le test du jeu, la pluie ne change pas grand chose, hein, c'est que du visuel. Ça n'a pas de changer grand chose en termes du maniement. Par là où je vais un peu à l'ouest. Il me reste pas beaucoup de temps en plus pour faire un bon temps. Ok, pour le moment ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien, non. Ça s'est pas bien passé dans le premier secteur, mais. J'ai perdu énormément de temps. De toute façon, on va pouvoir prendre une deuxième tentative directement, parce que vu qu'il pleut. Ouais, j'ai quasiment la même vitesse que sur le sec. Hein. Quasiment aucune différence. Il n'y a aucun moment où la voiture décroche. Autant dire que la pluie, bah, ils l'ont pas géré physiquement. 22e temps, mais on pourra améliorer quand même. On va essayer de voir dans le premier secteur, on va pas faire la bêtise tout à l'heure.
Allez, dernière tentative. Et encore une fois, non, ça va. Ouh là là. Ça a failli être le drame. Ah si, quand même, quand on freine, il y a quand même une légère différence, mais... Ça va. Je peux le dire vite. Remarquez que je suis seul en piste, hein. Aucune voiture n'est sortie, en tout cas dans ce temps de la séance. Au moins je termine pas dernier de la séance, ça serait bien. La seconde 4, c'est déjà 2 secondes de mieux que tout à l'heure. Ah, j'ai loupé mon accélération. Le dernier virage à fond. Et sa ligne d'arrivée, ça donne. 21ème temps à 1 seconde 4. 1 seconde 4. Ah, vous êtes sérieux là? Bon. Alors la course par exemple, ça va être quoi? La course. La course, il va faire nuageux, nuageux. Donc on va pouvoir régler la voiture. On va remettre des pneus tendres. Voilà, niveau vitesse c'est bon, suspension, on va essayer par défaut, j'aime bien moyen. Standard au niveau de l'accélération aussi. Ok, donc on va valider comme ça. Et donc on va partir, bah même pas 21ème, 22ème. En pole position, Eddie Irvine. Près de lui se trouve Mika Häkkinen. Et en troisième place nous retrouvons Michael Schumacher. En quatrième... Rubens Barrichello. En cinquième place, Olivier Panis. En sixième place, Jacques Villeneuve. Septième place, Johnny Herbert. En huitième position, David Coulthard. Coulthard qui part quand même loin. Huitième. Ralf Schumacher. Dixième place, Heinz Harald Frentzen. Onzième position, Jarno Trulli. Douzième place, ah, De La Rosa, quatorzième, pas mal hein, sur la rose. En treizième place, Alessandro Zanardi. 14ème position. Poli 11ème, c'est correct aussi. 15ème place. La Vurts passe assez loin, Fiquet là aussi. Diniz Salou sur la barre, 18ème. 17ème place, Pedro Diniz. En 18ème place, Mika Salou. 19ème place. Allez-y, 20ème. Oh la vache. Bon, nous on part dernier. En 1-16-238. Bon, je pense que ça va être mieux en course. On va voir. Et c'est parti! Un très bon départ. Il pourra se lancer cette fois. Ok, parfait, on gagne des positions dès le début. Superbe départ, ils sont tous bien partis. Sur la barre à la BR sur le côté. Donc maintenant c'est à la Sauber. On a gagné quelques positions. On va rester à l'extérieur. Je crois que c'est allez-y peut-être. Il non, c'est pas Herbert, parce qu'il va être chez Stewart. Attention! Cette voiture fait des prouesses sur ce Oula, on va essayer de passer à l'intérieur, c'est bon. Aïe aïe aïe, attention ça devant quand même. À la rose, elle a perdu quelques places. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Va-t-il réussir à le dépasser? Attendez, je me gratte l'œil, je suis désolé. Hop, on va reprendre. Devant nous, c'est la Prost de Trulli, je pense. Ouais, c'est ça. Les deux Panis. Il réduit l'écart qui les sépare. Ok, parfait. On a gagné déjà 12 places dans ce premier tour. On va voir si on peut revenir sur le groupe de tête. Bon, pour le moment, ça se passe super bien. J'espère que ça va aller jusqu'au bout. Hein. Souvenez-vous, Monaco. Enfin, Monaco, c'était mal parti, mais le crash au chargement, c'était pas très cool. Frentzen 6ème, ah Frentzen qui a gagné énormément de place. Allez la chicane. Premier tour pour David Coulthard. Alors si c'est vraiment intéressant, je crois que j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, ça serait de savoir si à un moment Schumacher va se remplacer par, par Mika Salo ou pas. Si Zonta va revenir. Il remonte rapidement derrière. Oh, on est passé, attention, il va essayer de nous empêcher de passer, c'est bon. Manœuvre incroyable. Les deux Jordan, 7ème et 8ème.
Ouf, attention. Cette voiture fait des prouesses sur ce circuit. Ah là, je confirme, oui. En normalement, vous devriez moins entendre le bruit parasite aussi sur la vidéo. J'essaie d'améliorer un peu le son. Va-t-il réussir à le dépasser ? Donc j'espère que ça sera beaucoup mieux qu'avant. Pareil au niveau de la vidéo, hein, normalement vous avez vu que tout a été remis à jour, a été improved au niveau de la qualité. Allez, on est 7ème. Je pense qu'on peut remonter, il n'y a pas de raison. Je vous dis vraiment, la plus grosse inquiétude dans le jeu, c'est que le jeu crache en fait. Hein. Le reste, j'en ai aucune. Dans le sens où bah, ça se passe plutôt pas mal. Alors, salaud abandonné, allez-y aussi. Je crois que le vrai Grand Prix en 99, c'était Kinen qui avait gagné. McLaren qui était assez forte sur ce tracé d'ailleurs. Même en demi, il me semble. Je crois que c'était en 89 ou en 2000. Déjà à l'époque, il y a beaucoup d'observateurs qui s'étaient interrogés sur le côté très très ennuyant du... Aïe, oh là là, Jordan. Très très ennuyant du... de la course. Donc c'est pour vous dire que le côté ennuyant de la F1, ça date pas d'hier. Va-t-il réussir à le dépasser ? Oh, à l'extérieur. Avec une telle facilité. Ah, c'est bon, c'est passé. Allez, on est 5ème, on va essayer de remonter sur les pilotes de tête maintenant. Il remonte rapidement derrière lui. S'il profite de l'aspiration, franchement, on va abandonner cette fois. Alors il y a le paquet qui est devant. On pourrait presque les doubler tous les quatre d'un coup. Oula. Va-t-il réussir à le dépasser ? Oh, Kinen sur le côté. On va se faire gêner par Coulthard ou l'inverse, je sais pas. Non, c'est bon, on est passé. Je crois que c'est à Kinen devant, c'est pas Coulthard. Ouais, c'est ça. Il remonte troisième. Derrière lui. Aïe. Il semble que ces voitures se sont légèrement heurtées. Alors je vais essayer de pas me faire voir comme à Monaco, hein, où on s'était crashé dans le tunnel. Il pourra se lancer cette fois. Ah non, ça passera pas, il va se rabattre, c'est pour ça que j'ai pas tenté. Ah, je crois qu'il y a une McLaren qui rentre au stand. Un Razin Coulthard de Barrichello. Il est non, il n'est pas rentré au stand, mais il avait l'air assez lent. Il commence à hausser le rythme devant. Piquet l'a abandonné. Va-t-il réussir à le dépasser ? Ah ouais, c'est bon, ça passe. Quelle manœuvre incroyable ! Et deux! Ouh là là, les deux Ferrari qui sont en tête. Pourtant, les Ferrari qui font un meilleur début de saison que McLaren hein, en termes de points. Oh, ben voilà! Oh là là, ben voilà! Aïe aïe aïe, et lui il a rien pris, j'imagine. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer cette fois. Cette voiture fait des prouesses sur ce circuit. Alors, je sais plus comment. Voilà, je ne tourne même plus. Ah là, ben voilà, ben on a fait la bêtise qu'il fallait pas faire. Bon, et ben là par contre, risque de perdre énormément de temps. Alors pour remonter tout ça, il va nous rester 4 tours. 7, 6, qu'est-ce que c'est long, regardez, ils sont déjà à la moitié du circuit. On va essayer de repartir devant.
Il y a une Ferrari qui est derrière aussi. Et voilà. On est 9ème. Non, c'est une. C'est Williams, je crois. Bon, il va falloir remonter. Ça va être très 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 difficile. On peut peut-être marquer encore un point, mais bon, ça va être. Ouais. Je pense que je vais avoir du mal. Voilà, on va tout donner, hein, de toute façon, il n'y a pas d'autre, pas d'autre choix. Oh là, ça s'est tellement mal passé au dépassement de la Ferrari, mon dieu. Bon, remonter, je pense que c'est faisable. Parce qu'on est vraiment plus rapide que les pilotes derrière nous. 9-6 secondes. On va une Schumacher qui est... Ouais, la Ferrari a vraiment rien pris. C'est incroyable. Ok, on est toujours 9ème. Oh là, regardez la barre, à quelle vitesse on était passé. Et là j'essaie de remonter pour gagner un point. Un point ou deux. C'est la sixième place que je joue. Hein. Pas le... Les quatre premiers sont trop loin. Vous voyez sur la carte, on est le point vert. On a deux pilotes devant. Je pense que ça va le faire. Enfin, ça peut être fait. On remonte comme une bombe. Encore 4 tours, c'est encore faisable. Hein. Je dis ça, mais on peut encore revenir. Dans le jeu, c'est le plus dur, c'est pas d'aller vite, hein, c'est vraiment de dépasser. On va une Schumacher plus tard. Si le spectacle ne vous fait pas chavirer, alors je n'y comprends plus rien. Allez, on a 3 pilotes devant. On pourrait même peut-être aller chercher le quatrième. Quand on enchaîne les tours. Heureusement qu'on s'est pas planté au 8ème des 12 tours, parce que des 11 tours, bah des 10 tours pardon, je vais y arriver. Parce que sinon c'était impossible. Allez, je refais start. Ah! Ils ont l'air bloqués devant. Il réduit l'écart qui les sépare. On va pouvoir faire de bêtises. Il pourra se lancer cette fois. Il remonte rapidement derrière lui. Quelle manœuvre incroyable! On est dans les points. On prend l'aspiration. Oh mon dieu, l'aspiration! Attention là, Jordan. Il va continuer, tout simplement. On a le quatrième qui est encore prenable. Il reste un tour et demi. Enfin, un tour trois quarts. À la moindre erreur et ça sera la fin. Et en plus, plus on tourne, plus je connais le circuit par cœur. Donc au bout d'un moment, je gagne vraiment de l'efficacité. Ah, la McLaren, c'est bon. Tu m'auras pas deux fois au freinage. Ah, oh, la saleté, quoi. Il réduit l'écart qui les sépare. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer cette fois. Oh non, pas la deux fois. Oh là là. Violent. Nous sommes à la moitié de la course. Heureusement que j'étais pas en pleine accélération. Voilà, Coulthard qui se défend comme un chien.
Enfin, comme ils ont haussé leur rythme devant. Ah, j'aimerais tellement me faire plus tard là. Ah, c'est le dernier tour. Il remonte rapidement derrière lui. Oh, à l'extérieur! Il fait des prouesses sur ce circuit. Oui, c'est passé. Oh là là, par contre, le jeu était vraiment cool parce que. Encore mais débris sur la piste, on va essayer de dépasser Schumacher. Il a réussi, il est passé devant. Oh et voici d'aller. Alors j'espère que ça va tenir. Ouais, c'est bon. Ouf. Oh, le jeu a tenu, incroyable. Oh bah écoutez, le finish encore une fois, hein, comme à Imola, mais vraiment cool tard là, il m'a dézingué la course, et pareil pour Schumacher. Hein. D'ailleurs, c'est bien fait pour eux, ils sont plus deuxième et troisième, ils sont quatrième et cinquième. Et encore une fois, hein, comme à Imola, c'est dans le dernier virage qu'on va tous les dépasser quasiment. Je pense qu'on n'aurait pas perdu de temps sous Coulthard. On gagnait peut-être même la course. Donc voilà. Bon, vous aurez compris quand même au fil du temps que le jeu en termes de performance, enfin en termes de logique, il n'est pas spécialement avec la Minardi en mode difficile, j'aurais jamais dû pouvoir faire ça. Mais bon, au moins la course aurait été intéressante. Donc on va voir quand même, alors ralenti non. Je vais faire une petite sauvegarde. Enfin continuer. On va voir le classement de championnat qui a dû un peu évoluer parce que là cette fois-ci. C'est... Eh non mais Irvine a encore gagné. Du coup. Genre quand même si un pilote qui a fait une bonne performance de Monil, ouais pas mal, 6ème. Devant Frenzen, Baikelo, Bar. Ouais, y a pas eu trop de surprises. Pony fini 10ème. Donc De La Rosa 14e finalement qui finit bien. Et Marc Genet 15e quand même, c'est plutôt correct. Bon, faut compter 15e, sachant qu'il y a quand même une barre qui a abandonné, une William, une Sauber, une Benetton, une autre Williams, donc pas si bien que ça. Au championnat pilote, alors là ça se course un peu plus, on a 10 points d'avance sur Michael Schumacher, mais ça va, 10 points, 12 points c'est correct. C'est Irvine qui a remonté un petit peu, voilà, on a deux pilotes Ferrari au coude à coude. Les deux pilotes McLaren, j'ai dit tout à l'heure, qui étaient plutôt en retrait. Là, c'est marrant, ça fait un Britannique sur deux. Regardez, à la 3e, 5e, 7e position. Et au championnat constructeur, eh ben, on perd du terrain, hein, c'est logique, on est seul contre tous quasiment. On est toujours deuxième, mais Ferrari a 14 points d'écart. Donc voilà. Continuer et normalement la sixième course, je me demande si c'est pas l'Angleterre, Silverstone peut-être, ou Grand Prix d'Autriche. Non, c'est le Grand Prix de Montréal. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la suite donc sur le Grand Prix du Canada. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.